mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. Je veux que ma mère soit fière de moi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ils ont pris le portefeuille, ils ont pris tout ce qu'il y avait. Ça va, voilà. Ah, c'est clair, vraiment. C'est qui, c'est Ochoa? C'est qui le mec avec la chaîne là? Oh, il ressemble à Ochoa. On t'a jamais vu ici, nous. Mais attends, toi, je te reconnais, toi. Ok, c'est à moi que tu parles. Oui. Oh merde. Non, c'est pas à toi. C'est pas toi que j'avais rasé la tête? À moi, c'est tout. C'est tout, mais vous êtes qui, c'est moi, c'est Céliane, ça va ou mon frère? T'es pas à nouveau? Ça va, non, c'est bien. Viens avec moi. Ça a repoussé un peu? Un poco. Fais voir. Bon, c'est une légère repousse, tu vois. Ah oui, ça a pas beaucoup repoussé. Tu vois un petit peu ou pas? Ça fait un an quand même, hein. Au final, t'as bien aimé la coupe, non? Ça me fait plus viril, tu vois. Ok. Ben écoute. On sent plus masculine. Écoute, mon frérot. Ben force. La dernière fois, ça s'est bien passé. Sauf ouais. Pour mon amigo Pablo ou bon. Hermano, il a trop la main lourde. Attends, y a ma femme qui m'appelle. Attends, vite fait. Ouais, princesse. Tu es là? Ça va? Ouais, ça va, et toi? T'as dormi où? Au palais. Ah, t'as dormi au palais? Ok, ça marche. Ok. Ben ouais, c'est pour ça que j'ai eu froid cette nuit. C'est pas grave. Oh, ouais, merde, tu voulais me dire quoi? Tu voulais parler à mon père? Ben, ouais. Une question. Ouais. Tu as une concession de moto. C'est ça qu'on a vu hier soir. Ouais. Et des japonaises? Est-ce que j'ai des japonaises? Ouais, j'ai des japonaises, ouais. Des motos un peu de motard, mais comment dire, ancienne, tu vois, quoi, un peu de... Tu pourrais plaire à mon père. Eh, hey, j'ai tout. Et c'est quelle gamme de prix en général? C'est un peu cher. Cher comment? Un peu cher, si tu veux une japonaise de... Attends, mais tu veux une japonaise ou une moto de biker? Parce que c'est pas pareil, j'en hein. J'en veux une pour moi et une pour mon père. Et toi, tu veux une japonaise et lui, il veut une moto de biker? C'est ça? Tu as des Akuchu. Akuchu, ouais, j'ai. Mais j'ai même des exportés, des motos d'Europe, j'ai tout ce qu'il faut, hein. Amérique du Sud, canadienne, japonaise, chinoise, thaïlandais. J'ai des motos d'Afrique, d'Algérie, du Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, j'ai tout, hein. La 103, toi? J'ai tout. Une Akuchu, c'est dans les 40, 50 000, je pense. Et je te dis vraiment à vue de tête, à vue d'œil, parce que moi. Parce qu'en gros, moi je travaille pas, moi je suis juste le patron, c'est pas moi qui connais les prix, quoi. J'ai une moto de biker, un truc qui pourrait aller à mon père. Regarde, ce que tu fais, c'est que t'as vu, toi t'es à LS là, moi non. Toi t'es à LS, tu vas au concess et tu regardes le catalogue et tu vois. D'accord. C'est dit, merde. C'est bon? C'est bon? À plus tard. Vas-y, à plus tard. Bon, bref, sans rancune pour les vaches, mon frère, hein. T'as vu, moi, comme ils ont poussé? Si, y'a vous, mais en plus, on manque de main-d'œuvre ici, tu vois. Quand ouais. Il va aller à Los Santos, j'espère qu'il va croiser un hermano à toi qui a des doigts de fée. Pour tes cheveux? Bah oui, pour m'occuper de la repousse là, tout. Ah, mais ouais, bah, ouais, c'est vrai, force à toi. Ah, ça serait pas mal, quoi. J'allais le skill, mais non, force à lui. C'est Liane. Quoi? Oh non, mais c'était déjà fini bien avant, je t'avais dit que je voulais parler. Quoi? J'ai Poucave ou pas? C'est ouais, t'as Poucave. Mais attends, mais tu crois que je vais prendre parti pour toi, Gabi? C'est mon frère, hein? Au moins ça, être honnête. Non, moi je suis pas honnête. Même, tu l'as dit. Je suis pas honnête, je suis subjectif, je suis avec mon frère. T'as raison. T'as raison, Idriss. T'as raison, Idriss. Sur toute la ligne, t'as raison. J'abandonne, t'as raison, Idriss. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me vendre de la coque ici? Si. Ouais. Ça dépend. Ouais. Toi, tu peux? Derrière. C'est pas moi, monsieur, c'est lui qui a parlé. Toi, tu si, peux? Si, non. Voilà, ouais. Super. Est-ce que je peux? On peut? C'est bon? Ah, ça dépend. Normalement. La coque qu'on te vende, si demain il apprend qu'on t'a vendu, est-ce qu'il accepterait, tu vois? Mais attends, toi t'es quoi? Toi t'es un paysan? Ouais. Et t'es pas au courant que Rafa il nous vend la coque? Si, pas là avant-hier. Ah voilà, c'est pour ça. Bon, ok. Non, mais c'est pas ça la question, c'est que si nous on vend à la place de Rafa, c'est pas nous qui t'avons vendu la dernière fois. Non, mais ça fait deux jours qu'il répond pas, Rafa. Ouais, je sais bien, mais après moi, si Rafa il apprend qu'on t'a vendu, que c'est moi qui t'a vendu avec Leonardo, je me dis est-ce qu'il va nous tuer ou pas, tu vois. C'est ton dos, est-ce que tu. Y'a pas un sous-jefe ou quoi? Non, bah je prends pas de risque. Tu prends pas de risque? Toi non plus, tu prends pas de risque? Ah, je prends pas de risque. Ah si. Toi tu t'en fous? Bah vas-y go. Bah vas-y il me faut. Attends, je vais te dire combien il me faut. T'as vu la clope sur l'oreille, c'est ça fait la diff. Putain, je viens de me réveiller là, je suis un peu perché. J'ai combien dans mon coffre? J'ai 300 000, non? J'ai 300 000, donc 300, je vais prendre pour 300 000, je pense, divisé par 500. Ah ouais, je suis pas sûr que t'es les roues, hein. Leonardo. Ah franchement, force à toi. Viens Leonardo, viens. Mais si. toi tu vas gérer le transport logistique et tout? T'es un bon, tu vois Rafa. Il nous a montré, on a fait plusieurs fois. Rafa, tu vois l'autre, il aurait pu lui faire perdre son argent. Toi demain, il va te féliciter. Il va dire, toi t'es un bon, grâce à toi, j'ai pas perdu de thunes. Bah si, justement, il faut qu'on ait de l'argent. J'ai besoin de 600 kilos là. Très bien, c'est 500, c'est ça? Ouais, 500. 500 dollars. Ça fait que je te dois 300 000. 80-75, prends mon numéro, tu m'appelles quand t'es à LS, je viens avec l'argent. C'est bon? 80-75. 91-75. Très bien. C'est bon, mon champion? T'es un bon, Leonardo. T'es un bon. Vas-y, Leonardo, à toutes.
Dis à toutes. Ciao Gabi. Ciao. Ciao la bluffeuse. Je t'emmerde toi. On peut prendre quelle voiture? Préfète? C'est quoi? Non, 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 Ouais, t'es énervé? Non, pas du tout. Oh. Mais j'ai encore mon appart. Oh, wow. Quoi? Quoi? Mon appart, il a pas été touché par la bombe nucléaire? Mais bien sûr, aucun hangar, les apparts et tout, bien sûr. Quoi? Ce qui est dans ton coffre, tu l'as encore? Mais bien sûr, mais nous aussi. Ah bon? Même si t'avais un hangar, tu l'as encore. Hein. Mais moi, je croyais qu'il y avait tout qui avait explosé. Après, c'est. Voilà, il faut pas abuser, tu vois. Mais... Comment ça, faut pas abuser? Si t'avais un lance-roquette dans le truc, faut pas le sortir en disant « Ah, moi, mon lance-roquette, mon fils de pute, il est toujours là. » Bah bien sûr que j'ai encore mon lance-roquette s'il était là à l'intérieur. Mais oui, mais c'est... Le fair-play, tu connais? Mais comment ça, le fair-play? Y'a pas de fair-play, c'est la rue, c'est la loi du plus fort. Hein, mais attends, mais en fait, c'est pas du tout la hesse, mais en fait, je suis trop bien. Mais je suis même le plus fort de Los Santos. Ok, c'est bon, ça marche, vas-y, merci. J'ai 380 de cocaïna periconia, 195 de potion de cocaïna. J'ai des boîtes de munitions de pistolet. Oh, y'a un pistolet lourd. Mais frérot, on a encore l'appart avec nos affaires en fait, hein. J'arrive avec la... je vais t'envoyer une pause là, 210, et tu viens avec 147 000. C'est bon? 147 000? Ouais. Ouais, vas-y. C'est bon, vas-y, à de suite. Elle a l'air grande, la nouvelle mairie. Ouais, mais c'est quoi, ça sert à quoi une mairie? Je sais pas. Regarde, y'a qui. Viens, monte. Je suis un peu chargé là, mais... T'as quoi? Je suis en train de déménager là, je suis en train de tout ramener au motel. Comment ça, tu fais ton déménagement tout seul là? Ouais, je loue un camion au moins. Mais en fait, j'avais un camion, mais il y a des petits bandits qui me l'ont volé pendant que je rentrais dans mon entrepôt. Ah, t'as quoi sur toi là? Rien, trois fois rien. Vas-y, fais voir. Ah! Attends, non, mais ça, c'est mon Desert Eagle, ça, c'est son nom? Non, quoi? C'est pas mon Desert Eagle, ça? C'est le pétard de James? Ah ouais? Non, c'était pas le tien. Si? T'es sûr? Ben, il me semble, non? Bah, t'en avais pas déjà un sur toi? Non. Ok, bon, on va dire. Juste, tu peux me déposer, ouais. Non, mais dis-moi, c'est le tien. Dis-moi, c'est le tien, comme ça, au moins maintenant, ce sera plus le Desert Eagle de James, ce sera le Desert Eagle de Soso. Bah, ouais, c'était le mien, quoi. C'était le tien? Eh ben, ouais, c'est le mien maintenant. Bien. Tiens, je t'échange avec un pistolet. Viens, attends, attends, reste là. Laisse-moi juste à l'entrepôt parce que je voulais vous parler d'un business en plus. Business de quoi? Eh ouais. J'arrive. Attends, Soso, je te passe mon pistolet. Mais attends, je suis trop lourd là. Vas-y, c'est bon, vas-y, pars. Laisse-moi aller poser mes bijoux et faut que je te parle d'un bail qui s'est passé, t'es pas prêt. Attends, tu sais quoi, on va le prendre avec nous pendant la transac en vrai. J'allais partir sans lui, mais on va le prendre avec nous. Bah attends, mais quel business? Je sais pas. Par la coque, y'a rien à faire. Ça raconte quoi? Grimpe. Direct là? Ouais. Il est où James? Il est pas là ce soir. Et dis à ton gars de grimper aussi s'il veut. Attends, deux secondes. Quoi? T'as ça toi? Rends-moi mon Desert Eagle, fils de pute. Allez, monte. Cerné là. Non, là t'es cerné, t'es obligé. Là. Oui, mais monte. Mais attends, je vais la poser parce qu'en fait j'ai peur de me balader avec. Mais pourquoi t'as encore ça toi? J'ai demandé, on m'a dit. Mais va la poser, tu me répondras après. Wesh, c'est grave ce mec. Je peux plus, frère. Non, mais si, mais il y a eu un wipe d'argent. En gros, c'est un wipe d'argent, les gars. En fait, l'explosion elle a pas détruit les armes. Attends, c'est qui l'autre? C'est moi, c'est Warren. Ah, Warren, ok, vas-y. Ça fout quoi là? On va faire une transac. C'est grave genre, ça va être un truc stylé. T'as dit quoi? C'est grave genre, ça va être un truc de ouf. Non, même pas. De la merde. En plus, je voulais vous appeler tout à l'heure du coup pour les armes, mais vous avez plus rien là en ce moment? Réfète. Non, mais oui, d'accord, il se touche. Qui se touche? Allô? Qui se touche? Allô? Quelqu'un qui me fait une facture chère là. T'es où? Je suis au Drift. Ah, je crois que c'est toi qui avais ouvert le concept, mais apparemment non. Bah, je m'appelais. Oui, je comme d'hab. Justement. Comme d'hab. Pourquoi tu m'as envoyé un Z? Parce que c'était un message aussi inutile que ton appel d'avant. Ah, c'est calculé genre? C'est prémédité? Oui, bah. Mais non, mais parce que en fait, avant je voulais. Oui, non, mais j'allais te demander un truc, mais en même temps j'étais surpris de voir que j'avais encore mon appartement. Je pensais que je l'avais plus. Oh, l'argent, y a combien là? Que je te dois là? Ouais. 118. On a pas revendu depuis. Ok, tu l'as mis dans le coffre? Ah non, tu peux pas. Ouais. Non, pas dans le tien. Ok, vas-y, je passe après et je le récupère. Bien vu. Oh, il est où James? James, c'est un bon dormeur, James. Ouais, ça y est, il redort maintenant. Ah ouais? Du coup, comme le bear shot, il a réouvert. Il dort, travaille. Casse les couilles, frère. Ok, et toi, tu travailles pas, toi, Soso? Si, mais moi, je travaille, j'ouvre tard le bear shot. Tu ouvres tard? Moi je fais le service du soir, du coup ça va pas le matin. Ok, ça va, c'est bien. Et du coup ça dit quoi? C'est comment? Raconte. J'allais vous poser la même question parce que ça fait un moment que vous a pas vu. Bah oui. Aïe. Et du coup? Bah nous tu connais, on est là, on contrôle un peu la ville. Comme d'hab, ça change pas, ouais. La bande, ça change pas, hein. Tout grand haut. Non mais là j'avais bien envie de reprendre parce que on m'a dit les mines ils sont plus là. Ouais. Et bah pourquoi on reprend pas le business des armes et tout? Ben fais-le. Ouais, mais j'ai pas les contacts moi. Ben moi non plus. Bah non plus.
Ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça ton problème, tu vois, tu parles, t'as plein d'idées, t'es plein de bonne volonté, mais t'es une merde. Ouais. Bah, au début, on voulait faire du blanchissement, mais on a fait pas assez de trucs avec le beurre shot. T'as une entreprise au moins ? Bah ouais, on a le beurre shot, mais on fait zéro bénéf. Ah oui. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai, ça. C'est quoi le truc que tu veux faire, là ? C'est avec qui ? Les bikers orange, là, les bastards. Je vais me masquer, ça t'embête pas, parce que j'ai t'as des embrouilles avec eux ? Bah, en fait, j'ai rencontré un mec, je sais pas si tu connais, Saïd Bokta. Ouais. Oh là, on a été faire des bêtises et on s'est mis en mauvais termes avec eux. Mais normalement c'est enterré déjà. Ça arrête de traîner avec ce mec. Tu le connais même pas ? Tu le connais d'où ? Et c'est un youtubeur, il est venu nous pranker avec avec Bader. Ah ouais, ouais. Il vous a dit quoi ? Si vous êtes chaud, on reprend le bis d'armes. Hein. Je sais pas si vous voulez croquer avec nous, mais on peut vous faire bosser là-dessus. Mais vas-y, trouve les contacts pour les armes déjà et après on. Ouais, je pense que je vais faire ça. Peut-être. Pousse-toi, petit fils de pute. Je pense que je. Oh non, putain. Vous faites beaucoup de sous avec le concess ou pas ? Non, pas trop là. Ah là, c'est chaud. C'est bien beau de vendre de la drogue, mais faut la blanchir. Eh ouais, je t'avais dit, pousse-toi. Et toi, fils de pute, rebraque-moi, je vais te baiser ta mère, t'as compris ? T'as compris ou pas ? Allô ? Comment se porte mon gendre ? Ah ! Monsieur le président, ça va, vous allez bien ? Bien et tout. Ouais, ça va, super, je travaille là. Tout m'a appelé. Ouais, je vous ai appelé parce que je cherchais Rafa. Rafa ? Ouais, j'étais un peu. Il va être en mer, il va devoir rentrer bientôt, je pense. Ok, ça marche. Exporter un peu des marchandises. Ouais, exactement, là, j'attends le coup de fil de d'un des paysans, mais il tarde un peu à me rappeler là. Je commence à monter en pression. Il va m'occuper de faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un disponible pour exporter du matériel. Ouais, ça serait bien. Franchement, vous êtes un beau président. On voit de qui tient votre fille. Eh, d'ailleurs, elle vous a parlé un peu, monsieur le président ? Oui, tu lui as acheté un hôtel, c'est ça, quelque chose comme ça. On s'est rabiboché, elle et moi. Oui, finalement, tu as réussi à faire en sorte qu'elle tombe amoureuse, c'est un exploit. Hein. Mais elle vous a dit que c'était sincère ou elle vous a encore dit que c'était forcé ? Parce que là, si elle vous a dit que c'était forcé, je vous préviens, je la quitte. Non, elle m'a pas dit que c'était. Parce que c'est pas le cas, hein. Elle a dit que c'était forcé. Non, mais monsieur le président, je vous dis que c'est pas le cas. Je veux que ça soit bien clair. Et si jamais elle se sent forcée. Bah, bien sûr. T'es fait confiance. Bah, écoutez, je vais pas m'amuser à me marier avec une fille si jamais y a rien derrière, quoi. Oui, non, mais on m'aurait parlé là de ces mariages. Voilà, ça marche. Bonne soirée. Tenez-moi au courant pour ce que vous savez. Oui, seigneur. Au revoir. Adios. Il y a au moins 4 groupes différents qui nous ont dit ouais, on va, ok, machin truc, on fait du business ensemble, y'a pas de problème. Mais par contre, nous, on veut que vous soyez, comment ça s'appelle, genre, indépendant des Oranges parce qu'on veut leur baiser leur mère. On veut attraper Soso, on veut le tuer, on veut attraper James, on veut le tuer. Ouais. On veut attraper. Je te parle sérieux, hein, vraiment. Ça veut dire que 4 fois on s'est mouillé et on a dit non, si vous voulez toucher, on arrête le business avec vous. Carrément, on a dit ouais, les Oranges c'est notre groupe. Et je te parle très très sérieux là. Donc là, c'est même pas une question d'argent, t'es en vie. Là, t'as envie, tu devrais me payer carrément pour être en vie. C'est toi qui devrais me payer là pour parce que tu respires. Genre le nombre de fois où on vous a. Ouais, après, on s'entraide. Nous, on a besoin d'un cerveau, vous avez besoin de membres. Tu nous en dois 1 milliard, tu nous dois la vie. Après, vous savez très bien que si vous aviez besoin, nous maintenant, on tire sur les wagos et tout. Hein. Si vous avez besoin de monde. Ouais, c'est pour ça. Mais commence pas à faire des réflexions où on te ramène pas assez d'argent parce que je vais te baiser ta mère. Ça va ou quoi ? L'argent, c'est toi, tu dois te le faire. Hein. On va pas non plus. Non, mais c'est pour ça là, je vais reprendre le business d'armes là, ça y est. C'est mon nouvel objectif. Moi, ce que j'attends de ta part, c'est que tu fasses comme les autres groupes. Ça veut dire les autres groupes, eux, ils me disent pas ride-moi de la cab, on la vend, on partage le BDF. Non, ils m'achètent de la cab cash. Mais là, ça m'intéresse plus à la drogue, je te dis, je vais mettre sur les armes. Ok, eh ben donc. Attraper un russe. Ne me dis pas, ouais, bah cher, on te ramène pas d'argent. Non, mais je disais pas ça en mode comme ça, je disais en mode drogue, elle est bien, mais qu'il fallait évoluer un peu, même pour vous. C'est un petit conseil que je vous donne, comme un ancien un peu. La drogue de KE, c'est bien, mais vous aviez une bœuf magique qui devait arriver. Tu veux de la bœuf ? Non, mais tu sais, tu vendais à tous les groupes, ouais, on a une nouvelle cam, ouais. Mieux que celle de Caillou. Ouais, ouais. Là, les gens, ils sont sur l'attente. Bah ouais, mais bon, depuis la bombe nucléaire, j'ai pas de nouvelles du mec, tu veux que je fasse quoi ? Et ouais, mon frère. Prends pour des magiciens, ce fils de pute. Vous venez toujours à 1000, sérieux ? Bah, on traîne toujours ensemble. Ok, ça va ? Ça va, toi ? Ça va bien. C'est pour ça que tu travailles pas, Harley ? Ouais, il travaille là quand même quelque part. Venez. Arrêtez de faire les mecs brossons, c'est bon. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Wesh, la coupe. Bon, échange en bonnet du forme. Tu me passes l'argent, je te passe la cam. Tout se passe bien. Ouais, bien sûr. Vas-y, tu donnes l'argent. Moi, s'il te plaît. Alors, comme ça, on va acheter de la drogue. Ouais, c'est ça, ouais. T'es bien renseigné. Faites pas attention à lui. Bah, c'est bien ce que je vois, c'est qui ? T'inquiète. Ok. Attends, là, je te laisse compter. C'est bon. Prends le coffre. Dis-moi, j'avais une petite question. Céliane, c'est ça ? Ouais. À tout hasard, tu fais que la cam, toi ? C'est bon ? T'as besoin de quoi ?
Il nous faut des guns, on a plus de fournisseurs. Il reste encore, les gars. Je sais pas si tu pouvais nous dépanner ça. Je peux brasser dire, ouais. Vas-y, bah tiens, nous au courant par rapport à ça. Parce que là, on a vraiment. Vas-y, c'est bon. Il vous reste des trucs, quand même. Ouais, il nous reste des trucs, mais. Tu vois, s'il y a une petite galère. Ouais, j'ai capté. Vas-y, je vous tiens au courant. Vas-y, ça marche. Bah, vas-y, le ref. Merci à vous, les gars. Vas-y, force à vous, les gars. Et on se recapte à la prochaine. Vous êtes sur quoi, vous? On est sur quoi? Quel business? Bah sur ta coque du coup. Ah vous êtes que sur ça? Ah ouais, ok. Vas-y. Bah vas-y, force à vous les gars. Et ça marche. Dites-moi quand vous avez besoin de plus. Ouais, si t'es là plus tard, en vrai, pourquoi pas te recommander. Je tèche le coffre, c'est bon, vous avez tout vidé, je vérifie pas hein. Ouais, c'est bon. Allez, bonne soirée messieurs. Ciao les gars, ciao. Le truc du coffre c'est incroyable hein. T'as vu, ça tue sa mère, c'est un truc de fou hein. Oh mais c'est pas une dinguerie qui demande pour acheter des armes quand même. Mais le coffre il devrait être mieux. Bon timing. Il est pas ouf. C'est un timing. Genre bam, je deviens un nouveau vendeur d'armes et direct y a des mecs qui demandent. Ouais c'est vrai mais je sais pas comment. Faut qu'il y en ait un qui remonte le bout de son nez. Hein? Ta gueule toi. Je parle à Idriss. Ou alors il faudrait tu sais quand je prends le chariot, et ben ça un comme ça mais genre en mode coffre. Ouais je suis d'accord. Dis-moi mon. Pourquoi tu m'invites pas à boire un verre là? On va pas dans la maison, on boit pas. Ouais ça fait longtemps, on s'est pas vu. Ça fait longtemps. Ah ouais, invite-moi à boire un verre, j'ai soif. T'as baisé la meuf que je voulais baiser, du coup j'ai un peu. Je suis carrément marié avec elle là maintenant. Ouais mais elle m'a dit tu l'as forcé et tout. Ouais. Pourquoi? Ça t'arrange? Bah en gros au début je l'ai un peu forcé et après elle a fait la meuf, ouais mais tu m'as forcé, blablabla. Ouais. Du coup j'ai dit bah vas-y on se sépare. Elle m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit ouais, non, on se remet ensemble et tout. Donc du coup, on s'est remis ensemble. Ouais. Ça se met bien. Yo. C'est qui? Tu m'avais manqué, Trix. Ouais. Tu m'as manqué aussi. Toi, ça fait longtemps, t'as pas vu Idriss. Ça fait un an. Un an, sa mère. Incroyable. Et je suis toujours debout. Et ouais. Mais. Je pensais que t'allais mourir. C'est bon, non, c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire, moi, sur ça là. Jamais, frère. Non, mais justement, en parlant de ça, courant que Ezekiel il est tombé sur ça. Ouais, je suis au courant. Et du coup, ça fait que là, les armes, c'est un peu compliqué. Parce que même les autres personnes qui vendaient des armes, c'est chaud. Du coup, moi, je voulais savoir, peut-être vous avez des contacts sur ça, tu vois. S'il y a des gens qui vendent des armes. Ouais, ça va se débloquer là bientôt là. Parce qu'en vrai, moi je suis bien en armes, t'as vu, mais c'est juste les munitions là, à l'heure actuelle, c'est un peu chaud. Vous avez encore vos armes du braquage de la mination et tout là? Ouais, on les a encore, ouais. Mais bon, là tu vas les vendre à personne, hein, si tu baisses pas les prix. Ben c'est ça le problème. Après, là il me reste 4 M4, 5 pompes, donc à voir. Toi tu m'as dit que ça t'intéressait. Et oui, ouais, justement, mais j'ai pas un euro. Tu sais que je voulais te parler de ça, j'ai oublié. Il s'est passé une dinguerie, man. Ces fils de pute, là, tu sais, ils m'avaient dit de te livrer James. Ces fils de pute, ils nous ont baisés. On est allé sur Caillou, ils nous ont alignés. Pendant 2 heures, ils nous ont parlé, je sais pas quoi, vous êtes des traîtres, vous proposez des armes à d'autres gens. Je sais pas quoi, vous nous livrez pas James parce que vous travaillez avec lui et tout. Je sais pas quoi. Après la bombe ou avant? Avant. Ah, avant, ok. Je suis moi, tu vois. Mais depuis, j'ai pas eu l'occasion, tu vois, vu qu'il y a eu la guerre et tout. Mais je te jure que, frère, moi, là, à l'heure actuelle, j'étais pas du tout pour baiser les mecs de Caillou, mais Ochoa là, avant je meurs, je veux lui baiser sa petite mère la peine. Ochoa? De faire dans sans slip. Ouais. Voilà. Je l'ai déjà tué. La DSF là, SDF. Ah ouais, Ochoa. T'es deg ou pas? Après le cartel bat les couilles. Attends, mais est-ce que t'es deg? Je l'ai tué là, Ochoa. T'as tué? Je vais faire croire que c'est moi qui l'ai tué. Non, mais t'es pas marrant, yo. Eh ouais. Ok. Et ben. Après, son collègue, il faisait le malin aussi. Hein. Ouais, son collègue là, le Renoir. Non, je sais pas, j'ai pas de nouvelles de lui, du coup, je vais faire croire qu'il est mort. Lui, faut que je l'attrape. Par contre, va cracher là, va cracher un bon gros molar là. Ça casse les couilles. Ah ouais? Bon, vas-y, c'est bon, laisse, c'est pas grave. Ouais, le hood. Ah, y'a petit flop là. Dommage, y'a pas peur. Oui, ah oui, y'a pas c'est bon là. Ouais, non, ouais, c'est bon, que... c'est bon, t'inquiète, vas-y. Ouais, du coup, si t'as des mecs de ce truc là, de la DSF, si t'en as sous la main, tu me dis, moi, ça me chauffe là. Ouais, mais je les ai tous tués. Et du coup, toi, c'est quoi ton projet Caillou là actuellement? Bah, moi, mon projet, c'est que j'ai tué toute la DSF. Ah ouais? Ouais. Ah, je pèse maintenant, truc, c'est plus les petits. Le cartel, c'est... Les petits, ils ont grandi, hein. On a plus WAN, non, à cause de toute cette merde là. Ouais, c'est vrai. Ben maintenant, moi, c'en est où? Moi, j'ai juste une question à te poser. Quand tu veux blanchir de l'argent, tu fais comment toi? Moi, je garde en ligne. Ce que j'ai en liquide, je paye des meurs. Et en fait, les, tu vois, pour blanchir, c'est pour payer des turvois, des logements ouais. et tout. Ouais, donc nous, on payait avec notre entreprise. Attends, vite fait. Une seconde. Vas-y. Désolé, c'est un appel important. Vas-y, Yasmo. Poussez-vous. Merci. Ouais, ça va ou quoi? Je te jure, il brise tous les... Ouais, ça va. Il y a un petit, il m'a dit qu'il s'en occupait, mais j'ai pas de nouvelles de lui, là. Il me fallait... T'es qui, tu parles? Comment il s'appelle? Je sais pas, il avait un débardeur blanc et des cernes. Tu veux parler peut-être de Leonardo, l'un de mes paysans? Ça me dit un truc, ouais, Leonardo, ouais. Bien.
nous étions en train de préparer la commande que tu nous avais demandé. Ouais, j'ai besoin de 600. Mais attends, je vais peut-être te prendre plus. Alors là, je vais commencer à te faire partir pour 600. Ouais, vas-y, fais-moi 600 et après on voit si jamais il y a besoin. Si, tu me diras si tu veux une quantité supplémentaire. C'est bon, vas-y, bah, tu me dis quand t'es là, tu m'envoies une position comme d'hab, tu connais. Exactement. Vas-y. Ouais. Grabseed ici. Grabseed, c'est pas celui de la dernière fois, c'est celui un peu plus haut. Hein. Voilà, exactement. Ici 10 minutes. On ne jamais dans le même aéroport. Ok, c'est bon, vas-y. Oh, il est où Moussa? Ah, oh, Moussa, ouais, je te date. T'es en vie, Moussa? Ça va, gros monde? Ah, ok, moi je pensais que c'était plus. Stop. Oh, ouais, du coup, tu blanchis jamais ta thune, toi? Bah, non, j'en ai plus besoin. Hein. Les voitures, je suis bien. Les logements, on en paye avec l'entreprise. Donc, tu vois, on avait pas besoin. Hein. Ok, ben. Je suis depuis, frère. Si t'as besoin, demande-moi. Vas-y, je te dirai, parce que là, de toute façon, on va essayer de remonter la porte. Toi ou les autres, là. Après, je vais pas vous cacher, les gars, sans vous raconter notre vie. Déjà, il y a des mannes qui sont tombés sur la fabrique d'armes de chez nous, des mannes qui sont tombés pendant la guerre à cause des flics, parce que t'imagines bien que nous, à l'armée, on a dû s'infiltrer. Ça veut dire, s'ils savaient nos noms, ils nous tuaient direct. Du coup, ils ont su le nom d'un de nos gars, sur cette année-là. Je suis pas prêt, moi, contre ça. Ça va pas rester impuni, donc ça risque de bouger beaucoup. Cylian, je te promets pas un business régulier avec nous. Ça veut dire que. T'as vu, je vais être honnête avec toi. Mais c'est quand que tu crèves, toi? C'est quand que tu crèves? Yo. Juste dis. Non, parce qu'il y a des gens, ils attendent. Il y a des gens, ils attendent, Trix. Je sais, il y a des gens, ils sont hype carrément par ma mort. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des OG, ils attendent juste que tu crèves pour prendre ta place, tu vois. Je sais, bah ouais, bon, j'espère. Les pauvres, ça fait 6 mois, ils te regardent, Trix, la fin de Trix ce soir. J'espère que ce sera pas Junior, hein, parce qu'il va lâcher. Non, c'est pas Junior, je te jure, des OG tard à l'époque. Vas-y, bah j'espère bien. Mais t'inquiète pas, justement, comme je te dis là, j'en reviens au fait. Il y a des choses, on a fait des erreurs, il y a des infos qui sont sues par rapport au meurtre du capitaine qu'on a fait il y a quelques années. Non, pas fait, il y a des trucs qui sont en train de remonter à la surface, donc je te promets rien, tu vois. Il n'y a pas de business régulier qui risque de se faire. Là, on va essayer de remonter la pente, mais soit en haut de la pente, on va réatteindre le sommet et tout baiser, soit on va se casser la gueule dans la pente et ça va être dur. Donc, ben, force à vous. En tout cas, si jamais t'as besoin de cam ou de thunes, tu me dis, je t'arrange. Oublie pas, je t'ai dit quoi, ça veut dire si jamais... Arrête de faire... Tu sais quoi, va te faire enculer. Vas-y, poussez-vous, s'il vous plaît. Tu passes pas. On se capte. De toute façon, si vous avez besoin d'un truc, vous nous dites, parce que ça... Vas-y, c'est bon. Allez, force à vous, les gars. Vas-y. Non, c'est pas bien, voilà. En argent, tu peux, non? Les bracelets en or qui sont haram, le reste, t'as le droit. Ouais, je crois qu'en argent, tu peux. Je sais pas, moi j'ai une bague en argent, et je crois pas que ça pose de problème. Ma grand-mère, elle m'a vu avec et tout, elle m'a rien dit. T'es arrivé des trucs depuis que tu l'as mis? Non. Ouais, après je me suis dit bracelet, tu vois, ça bracelet ça fait... Non, une gourmette en argent, je crois que tu peux, hein. Mais les Maliens, ils ont tous des bracelets en argent, là. Pourtant, c'est des muses aussi. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ok. Pourquoi les Maliens, c'est la rêve de l'islam, genre? Mais non. Ah, mais tu sais, genre, il y a des Algériens, ils peuvent faire du haram aussi, ça veut rien dire. Non, c'est pas parce que... C'est un pays musulman que... Les Maliens, ils ont tous le même bracelet, t'as jamais remarqué? Non. Et je te jure que les Maliens, ils ont tous le même bracelet à leurs bras et à leurs... Et avant de venir RLS, t'étais avec Idriss? Moi? Ouais, vous avez fumé des pétards ensemble? Non. Enfin bref, Idriss, je crois que tout ce qui est en argent, tu peux le mettre. Ok. Tu peux même mettre un collier de ventre si tu veux, tant que c'est en argent. Et les colliers à pic même ça tu peux le mettre. Mais je crois que même, il me semble que l'or, attention, peut-être que je vais dire une bêtise, mais il me semble que l'or, genre tu peux en mettre dans une certaine mesure. Genre si jamais, genre, t'as vu, moi ma bague elle est en argent, et genre il y a une petite couche d'or, tu peux en mettre, mais il faut pas que ça soit en contact avec ta peau ou que ce soit pour me faire le flambeur. Et les laisses? Y'a pas un truc comme ça? Une laisse? Ouais, genre. Non, une laisse. Que dalle, parce que moi sur ma bague, genre t'as vu, au tout milieu il y a une petite touche d'or. En argent ou en or? Rien. Ah merde. Moi, on m'a dit qu'il fallait pas que ça touche la peau. Si jamais c'était juste un petit grammage, tu pouvais. Les dents en argent. Les dents en argent, ouais. Je sais pas. Si, seigneur, du coup, la plata, por favor. Ouais. Il est pas là, Rafa? Non, il est pas. Non, seigneur. Tiens. Ah, vous êtes les paysans, du coup, c'est ça? C'est mon champion. Si, gracias. Ça va, ciao. On travaille ensemble. Comment tout va? Ouais, ça va. Hein. Tranquillement, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Et toi, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ok, super. Tiens, on s'est vu il y a pas longtemps, non? Peut-être. Allô? Oui, princesse, ça va? Éloigné. Ouais, je t'appelle juste parce que tu me manquais. Oui, il est encore parti. Non, mais. Non, même pas, juste tu me manquais trop, du coup je t'ai appelé. Ouais, ça va, tu te rends. Voilà, ok. Ah, vous l'avez blessé. Si, pour ça va, tout se passe bien, toi? Ok, c'est carré, tu es dans le camion. Bon, super. Hasta luego, señores. Vas-y, tu m'appelles si t'as besoin. Vas-y, bon voyage, les gars. Bon, rien, là, j'étais en train de. Je suis en train de travailler, hein. Ton travail habituel? Ouais, mon travail, non, mon deuxième travail, pas le travail de la moto. Je
c'est pas dangereux des fois? Non. Oh. Tu veux que je t'amène un jour? C'est pas une bonne chose. Ah ouais? Ok, ok. Mais prends pas trop de risques et puis... Vas-y, si jamais t'as besoin, tu m'appelles. Si t'es pas trop... Tu me manques, tu me manques, princesse. Ouais, on se voit après, si tu veux qu'on se voit après, on se voit. Ouais, c'est bon, tu m'appelles quand tu veux qu'on se voit. Allez, tu me rappelles quand tu veux. Tu viens dormir avec moi ce soir. Pas comme hier, hein. C'est bon, ça marche. Vas-y, ciao, princesse. Vous avez vérifié la cam ou pas? Ah oui, c'est vrai, putain. Essaye de monter à l'arrière. De toute façon, on va récupérer la voiture. Je pense que ça peut le faire en vrai. C'est bon, tu bouges pas, non, on va récupérer la voiture quand même. Ouais, normalement ça va. Il est passé où l'autre? Ouais, c'est vrai, il a disparu ton pote. Ouais, il s'est couché dans le. Voilà, je retire mon dernier message, attends, qu'est-ce que t'as dit? Il s'endort à tout moment, genre. Qu'est-ce que t'avais dit? En ça, je trouve que ton RP change de fou. Genre, t'es plus un Hagar. Ah. Tu ne m'appelles pour me dire des choses gentilles que pour faire enrager des gens de Caillou Pélico. Hein? Pourquoi tu dis ça? Fais pas l'innocent. Pourquoi? Y'a quoi? Je sais pas, mais apparemment ils sont tous venus me dire: oui, Céliane, ton mari, il t'a appelé, tu as dit que t'allais passer la nuit avec lui, etc. Et alors, c'est la vérité? Problème, pourquoi tu m'appelles pas de la soirée, tu m'appelles pour me dire des choses comme mais ça? Mais c'est normal, regarde. Je suis tête dans le guidon, je suis focus dans mes affaires, ok? Et je vois des gens de Caillou Pélico directement, ça m'a fait penser à toi, c'est pour ça que je t'ai appelé. Ça n'a rien à voir avec eux, c'est juste que... On prend pas pour une idiote. Mais non, regarde, moi j'ai pensé Caillou Pélico, princesse, ma femme, j'appelle ma femme. C'est tout. Mais non, mais tu vois pas, écoute, tu vois pas qu'ils veulent détruire notre couple parce qu'on est trop mignons ensemble. Tu te débrouilles très bien pour ça tout seul. Mais n'importe quoi, tu vois pas, c'est des jaloux, ça vient de Chicharo, évidemment que lui... C'est toi qui infecte. Mais non, c'est moi je t'appelle parce que tu me manquais. Je t'appelle parce que tu me manquais, donc du coup, ben voilà, j'ai pris des nouvelles choses. Je ne t'ai manqué que quand t'as eu Chicharo en face de toi. Mais parce que j'ai pensé, ça m'a fait penser à toi, c'est tout, c'est la vérité. La prochaine fois que t'es gentil, sois sincère au moins. Mais c'est la vérité, mais j'étais sincère avec toi. Tu me mérites pas, Céliane Drabus. Toi non plus, tu me mérites pas, princesse de Caillou Pélico. C'est toi qui me mérites pas. C'est toi qui me mérites pas. C'est bon, à plus tard. À plus tard. Ouais, c'est ça, ouais, sale pute. Waouh. T'as vu comment, t'as vu? Waouh, c'est comme ça que leur parle. Attends, mais du coup, avec elle, c'est comment? Mais on est mariés. Ah, mais genre. Attends, mais oui, mais attends, mais elle est folle, elle. Attends, tu crois c'est fini? La piraterie, elle est pas finie, hein, attends. Attends. Eh, pep, ma grande, tu croyais t'en sortir comme ça? Ça veut dire que t'es avec Chicharo, là? Non? Pourquoi? Bah, ça veut dire que t'es avec Chicharo, là, du coup. J'étais à l'aéroport, j'attendais monsieur Alec. Comme par hasard. Le mec du Whistle News, et à ce moment-là. Ah, parce que madame fréquente son ex. Il y a les paysans, il y avait Armando, il y avait Leonardo. Tu passes des moments avec ton ex, en gros. Ils étaient trois ou ils étaient pas trois, ils sont venus te voir. J'en sais rien, moi j'ai pas fait gaffe à qui il y avait. Je suis à l'aéroport pour attendre un touriste, et eux... Moi, je fais rager ton ex pendant que toi, tu défends ton ex. Voilà la différence, toi et moi. Oh, tu m'entends? Eh oh, allô? Ah ouais, c'est... impressionnant quand même, ça se voit, elle est impressionnée. Allô? On l'entendait d'ici. Allô? Zappi, princesse de Caillou Pélico, elle s'est pas servie d'un téléphone. Continue à défendre ton ex. Téléphone, il refuse des appels. T'as dit quoi, Zozo? Je méfie pas assez, c'est Chicharo, il a pris son téléphone et il refuse des appels à chaque fois. Putain, en plus, j'ai vu une vidéo sur Twitter où. Oh non! Elle se fait taper le cul. J'ai vu une vidéo sur Twitter où il y a un mec qui l'appelle sa meuf. Toi, t'as dû la voir, Idriss. Un mec qui l'a. C'est. Putain, c'est un Renault avec des longs ongles. Et Zarma, il y a son mec qui appelle sa meuf, et sa meuf, elle décroche le téléphone, et il y a le mec qui est en train de baiser sa meuf qui décroche, et on l'entend dire « Oh, oh !» Et la meuf aussi. Quoi ? Ouais. Zarma, mais... en gros, non, j'ai jamais regarde, imagine, Soso, c'est ton mec, et moi, je suis le mec qui te baise. Et Zarma, Soso, il t'appelle, et moi, j'ai pris ton téléphone, et je décroche, et je dis « Ouais, attends, je suis en train de baiser ta meuf et tout. » Oh là 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 là, mais non, j'ai pas vu cette vidéo, vraiment. Ils vont te l'envoyer. C'est terrible. Demain matin, elle va t'envoyer « Désolé, je dormais ». Mais non, frère, elle a décroché, elle faisait « Oh ». Ouais, c'est quoi cette vidéo de fou? Je l'ai pas vue, The Bee. Défends personne. Mais bien sûr que si, tu le défends. Je l'ai croisé sur le... Oui, mais quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça t'a fait mal au cœur, qu'il ait eu de la peine? Eh, c'est ton ex, j'en ai rien à foutre. Pas du tout ce que j'ai dit, ce qui m'a fait de la peine, sert de ça pour lui faire de la peine. Non, moi c'est la vérité. Non, ce qui m'a fait la peine, c'est que tu fasses gentil avec moi juste pour le... Je fais pas... Non. Moi, je t'ai dit, je les ai vus, les gens de Caillou, ça m'a fait penser à toi, je t'ai appelé. Et toi, pendant ce temps, moi, tu m'accuses d'être un mauvais, et lui, tu l'accuses d'être le mec bien, c'est ça, en fait, l'histoire? Lui... pas parlé de lui, j'ai même pas lui, c'est le mec bien dans l'histoire, et moi, je suis le méchant. J'ai parlé que de toi dans cette histoire.
Ok. Non, eh bien la réponse est non, je t'appelais de manière sincère. Non, hein, dis pas que tu m'entends plus, hein. Toi, tu m'appelles même pas, toi. Toi, tu m'appelles pas. J'ai peur de te déranger, je veux pas être lourde. Non, tu me déranges pas, appelle. Là, je t'appelle. Eh bien, appelle. Voilà. Moi, je t'appelle peut-être de manière hypocrite, mais toi, tu m'appelles même pas. Comment? C'est moi qui t'ai appelé. Bah, tu m'appelles pour me gronder. C'est bon, on fait la paix. On fait la paix? Ok, on fait la paix. Je te serre la main virtuellement, là, à travers le téléphone. D'accord. Il n'a pas de caviar. Comment? Moi, j'en ai trouvé un, regarde. Non, là, ça, là, j'ai quasiment fini le taf, là. Ouais. Moi aussi. Ok, tu me tiens au courant. Mais moi, je suis sur Cayo et toi, t'es sur Los Santos. Eh ben, au pire, je viendrai dormir à Cayo si tu veux. Dans le bungalow, dans mon bungalow. C'est bon? Non, plutôt au palais. Plutôt au palais? Oui, tu veux que je dorme au palais? Ok, ça marche, si tu veux. Ouais, ouais. Vas-y, je te... Juste... Ouais. Que patron, concessionnaire de moto, tu pourrais quand même venir voir. Tu veux voir quoi, les motos? Eh ben viens à LS, toi, si tu veux, et on voit les motos. J'arrive, je te dis. Vas-y, c'est bon. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, Réfette. Allô? Ouais. Ah merde, c'est pas la Réfette. Là, je me suis trompé de numéro. Ah non, ouais, mon pote. T'appelles pas la Réfette, là? C'est pas ça. De quoi? Qu'est pas ça? Excusez-moi, il est sur un moto là, je vous entends pas bien. Tu as essayé de m'appeler? Oui, oui, tout à l'heure. Je voulais vous demander est-ce qu'on vendait des skates ou pas? Des skates? Non, on vend pas de skates. On vend pas de skates? Non, je crois pas. Ce serait une bonne idée de vendre des skates, non? Mais tu fais trop bien la meuf en moto. De quoi? Attendez, il y a un feu rouge, je vais en profiter. Ok. Ouais. Deuxième patron. Je t'ai dit, on fait pas de skates. Ah bah c'est le feu vert. On fait pas de skate! Nique ta race! Non, on fait pas de skate! On fait des motos! On devrait en faire, patron! En gros, nous, on fait des deux roues, pas des quatre roues! C'est ce que je leur ai dit, j'ai exactement dit les quatre roues aussi! Voilà! Ok, patron! Vas-y! Merci, patron! De rien! Ouais, ça faisait trop bien la meuf en moto! Y a plein de jeux vidéo qui existent. Mmh. Tu vois, par exemple, GTA, c'est un très bon jeu. GTA, tu vois, c'est un peu la princesse. Ça veut dire, je suis là, ben, je joue à GTA parce que, voilà, c'est comme ça. C'est mon truc principal. C'est ce qui plaît à le plus de monde et c'est ce qui me permet de faire le plus de chiffre d'affaires. Et puis, il y a, par exemple, League of Legends. League of Legends, c'est un peu Dakota. Tu vois, c'est un amour un peu qui est un peu malsain. Tu vois, c'est pas un amour naturel. Et toi, t'es Red Dead Redemption, tu vois. T'es un peu sous-côté, mais voilà. Je t'aime comme ça. Tu vois où je veux en venir? Ça veut dire que la princesse, genre, si je la perds, si je perds GTA, laisse tomber, je suis finito. Tu vois, mais tu vois comment? C'est pas ma question, hein. C'est quoi ta question? Ma question, c'était pourquoi est-ce que tu dois mentir devant elle? Pourquoi elle connaît mon existence et que tu dois mentir? Elle pense que t'es brodex, alors que quoi? T'es ma meuf. Mais je suis ni ton ex, ni ta meuf. Mais bien sûr que t'es ma meuf, arrête. Mais bien sûr que non. Mais si. Non, par contre. Mais tu peux pas dire. Aucun des deux, hein. Tu peux pas dire. Ok, bon, ok, t'es ni mon ex ni ma meuf, mais tu peux pas dire qu'il y a rien entre nous. Comment ça? Y a un truc, y a une tension, tu vois. Oui, oui, y a un truc. Oui, ah, pardon, chef. C'est quoi cette publicité là? Mais c'est pour attirer les clients, on en a besoin, Réfette, on en a besoin. Mais les clients, ils ont pas d'argent, les gens. Ouais, mais si t'as un leggings qui te fait un gros cul, ils vont venir, t'inquiète pas, tu vas voir qu'ils vont arriver. Attends. À part pour me prendre des insinuations, ils ont rien fait. Dis-leur qu'ils te vendent des. Attends, s'il te plaît, parce que. Oh, je me fais baiser en fait. En fait, la détail, ça rapporte plus que. En fait, le problème. Vous dites rien, ça parle comme ça de votre réfet. En fait, le problème, c'est que je fais 200 de bénéf fois 480, ce qui fait 96 000 de bénéf, alors que je pourrais faire 180 fois 600 de bénéf. Oh, ça fait 288 000. Oh là, refaites là, tchou. Ouais, j'en ai refait du chemin pour toi, là. Oula. Ouais, c'est pour toi que je suis venu. Enfin, ce qui s'apparente à un ventre est collé au mien, donc vous pouvez reculer. Ouais, j'en ai fait du chemin, tchou. Ouais, bah achète des bécanes. Ouais, quelle bécane, la femme. Vous voulez... Soso Idriss, venez, on doit faire un truc. Ouais, genre... Ouais, on est vraiment. On est le nouveau trio, c'est ça? Bah, t'es tout seul, tu veux que je te laisse tout seul? Non, merci. Après, vous voulez pas que je remplace Bader? Je suis un peu plus intelligent que lui, je crois. Ouais, mais t'es moins drôle que lui. Vas-y, essaie d'être Bader ce soir-là. Ah ouais? Ouais, comporte-toi comme lui et tout, genre. Mais je sais pas comment il se comporte avec vous. Ok, vas-y, écrase le gros là, je t'en supplie. Réfette! On va faire un truc, on revient, c'est bon? Ok, patron. Vas-y, sale pute! Quoi? Mais quoi? Ah oui, parce que c'est Bader. Descends. Ouais, bah descends, Bader il serait descendu. Ouais, y'a quoi? Ouais. Tourne-toi. Non. Tourne-toi. Voilà. La prochaine fois que tu m'insultes, ça va être beaucoup plus fort. Désolé. Vire le gros lard là de l'arrière là, derba. Dépose-moi plein de coups, s'il te plaît. Nique ta grand-mère, descends. Toi, sale gros. Ouvre le coffre et roule. Je reste là. Allez. Oh, lâche-moi.
Mais non, mais Rafa, fallait pas revenir. C'était pas la peine de revenir. De revenir, j'étais là depuis tout à l'heure à Los Angeles. Mais Rafa, il arrive après la guerre. Ah ouais? Eh, dis-lui, nique sa mère, dis-lui, nique sa mère. Mais il y avait rien du tout, j'ai dit. Ah, c'est bon. Non, mais c'est, ça aurait pu attendre demain, hein, si jamais. Plutôt qu'on attend demain, c'est mieux, non? On attend demain? Bien, il te faut une grosse quantité. Non, il me refallait 600. Essayez d'attendre et de faire une tonne, par tonne. Cette fois. Si t'as une tonne, te prends une tonne. Mais vas-y, on fait demain, t'inquiète pas, régale-toi, Lorience. Vas-y. C'est bien. Hasta luego. Ciao. Ce fils de pute. Wesh. Attends, mais lui, il nous a volontairement foncé dessus. Non, il tournait chez le mécano. Oh, merde. Eh, vas-y, ça fout quoi là, du coup? Là, on va récupérer la cam. Et on va la vendre au truc. Hey, on les baise ou pas, les mecs qui vendent la cam? Non, mais tu vois, Derba, il est sûr de lui. Ouais. C'est pas on les baise ou pas, c'est soit il me dit on les baise, soit il ferme sa gueule. Qui nous ramène la cam là? Ça t'arrête. C'est nous on ramène la cam. Ouais mais si, là on va la chercher à qui la cam? À chez nous. Et on la ramène à qui? À ta grand-mère. À la grand-mère à Derba ou la mienne du coup? Non, viens on les baise ceux qu'on doit livrer là, pour mettre un peu de piment dans le business. Non. Ok. Tu vois, Derba il aurait dit si, viens on les baise, qu'est-ce que t'as chaud, mange merde? Si, ouais, c'est Liane, à l'époque, rappelle-toi les oranges. Il aurait pas dit c'est Liane. Ouais, mon frère, rappelle-toi comment on avait baisé les oranges. J'en peux pas dire mon frère, dis que ta mère, t'es pas badère. Écoutez, vous lui faites la peau et vous lui dites qu'il a interdiction de me rappeler. Ouh. Je suis pas une hotline, moi. Une hotline? Il m'a appelé sur mon téléphone. I know how the hot light bling. Attorney in a FIFA thing. I know how the light like bling. La location coyote. Bitch on in a FIFA thing. And I don't know the tenant. You. Appelle, il me dit oui, bonjour, c'est pour les locations. Galère. Get off on a FIFA thing. I don't want a you. Tenant. Bon, ça, vous avez. Je viens de vendre un vélo. C'est bien. Incroyable. Déjà ça. Moi, faut que j'aille chercher la princesse, là, vite fait, et tu vas lui vendre une moto, réfète. Et vous pensez que c'est une bonne idée, patronne, parce que... Parce que au moins, elle arrêtera d'avoir des doutes sur notre relation, qui est incroyable. Du coup, vous voulez que je mente à la princesse? Non, tu lui mens pas. Tu lui dis, bonsoir, vous voulez une moto? Et quand si jamais elle fait des insinuations en mode, je suis ton ex, tu dis, bah non, tu mens pas, on n'est pas ex, on n'est pas en couple, on est d'accord. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Bah oui. Voilà. Je vais pas... Céline. Quoi? Je vais pas t'aider dans ton couple, hein. Je te fais un dernier câlin avant qu'on fasse semblant qu'il y a rien entre nous. Comment ça, un dernier câlin? Ben, parce que après, pendant tout le reste de la soirée, on va devoir faire semblant qu'il y a rien entre nous. On n'a jamais fait de câlin. Allez, fais-moi un câlin. Non, mais c'était la prochaine fois, je voilà. Une balle. Comme ça, après, tu vois là, j'ai bien pris de la sephore. Comme ça, au moins, quand je devrais faire semblant qu'il y a rien entre nous, ça m'aidera. Je prends ta bécane pour aller la chercher. C'est de mieux en mieux, c'est terrible. C'est n'importe quoi. C'est incroyable la vie de... C'est quoi l'inverse d'un keuk? D'un keuquet? D'un fils de pute? Levez vos mains, je vais vous tuer! Quoi? Non! Levez vos mains! Princesse! Non, j'ai rien fait! Mais bon, je rigole, c'est moi! Arrête! Oh! Allez, grimpe! Quoi? Quoi, mais non? Mets ton casque! Rien! Quoi? Rien! T'as eu peur? Peureuse, ouais. Oh, mon casque, il a sorti à la moto! Ouais, en plus, c'est la moto de la réfète! Quoi? Ouais. Quoi? Rien. Tu sais que c'est pas mon ex la réfète, hein? Genre, tu le sais ou pas? C'est toi qui dis que c'est ton ex. Mais non! Quand on s'est marié, t'es passé dans le quartier des Lagos, tu as dit, je vais voir la réfète, mon ex. Mon ex associé. Vous aviez pas l'air d'être ex associé hier. Pourquoi? Il y avait quoi hier? Ben, je sais pas, tu lui as dit oui, faut que tu vendes, etc. Vous aviez l'air de toujours travailler ensemble. Mon ex associé dans le business, princesse. Bah, vous êtes toujours associé. Non, c'est mon employé. Ah, bah, ça change tout. Bah oui, et c'est elle qui va te vendre les bécanes que tu veux. Parce que je veux que vous fassiez la paix. Amène-moi dans le magasin de vêtements avant. Tu veux te changer? Non. Mais t'es bien comme ça, hein? Franchement, t'es super non. Belle. Non, tu me fais peur, tu combines mal. Pardon. T'as dit que j'ai pas de flow. Tu crois que je t'ai fait une tenue avec du flow? Bah, on verra. Ok. Et là, j'ai une tenue de moto en tout cas. Une tenue de? Pour faire de la moto. Ok. Et ça a été ta soirée? Ouais, c'est calme en ce moment. Les gens, ils ont pas trop d'argent. Du coup, c'est un peu compliqué, mais je fais que faire des allers-retours là. Vente de cam, prise d'argent. Je me prends de la cam à Cayo, je la revends à Los Santos. C'est un peu ça là, ma vie en ce moment. D'accord. Et toi? Moi, c'est pareil. Vente de cam, Cayo, tout ça là? Non, c'est juste que politiquement, c'est un peu compliqué parce que vous avez pas vraiment de gouvernement. Oui. Que vos entreprises soient un peu. Tu vois, je vais me changer aussi. Alors, vas-y, retourne-toi. Attends, je me retourne et juste je change mon froc.
Par contre, elle est un peu petite. Enfin, ça me sert beaucoup. Je peux me retourner là? Oui. Attends, bouge pas. Bah, on est dans Suicide Squad là. C'est pas bien. Attends, c'est pas bien. Je vais changer alors. C'est... Non, mais c'est bien. C'est bien, mais je suis pas un biker moi. T'es une bikeuse toi? Non, on m'a dit que c'était ça qu'il fallait mettre pour les motos japonaises. Mais qui t'a dit ça? C'est quelqu'un qui avait l'air bien intentionné, mais apparemment. Vas-y, viens, non, vas-y, c'est bien. Non, mais c'est bien pour faire de la moto. On dirait Deadpool quoi. Vas-y, mais autre chose. Mais c'est bien, ça te va bien. Ça, en vrai, ça te va bien. Mais juste, c'est pas la mode quoi, à notre époque. C'était bien il y a 10 ans. Eh, hey, de toute façon, sois toi-même. Arrête d'essayer de vouloir faire des styles qui t'appartiennent pas. Écoute pas, Derba. Il est pas là ce soir? Non, il est pas là ce soir. Ah, enfin. Quoi? Tu l'aimes pas? Non, je l'adore. En vrai, donc, je l'adore. Oui. Et pourquoi t'as dit enfin? Non, mais en fait, je l'adore vraiment. Il me fait mourir de rire. Il est adorable. Ouais, mais. Mais. Bah, c'est qu'il est toujours là, quoi. C'est normal, c'est mon frère. Oui, mais cette fois, il y a Idriss. Ah non. Quoi? Oui, mais Idriss, c'est pas ton jumeau maléfique. C'est... Bader, c'est. Mon mauvais génie, c'est. En vrai, c'est pas forcément le maléfique, hein. Je pense que c'est plus moi le jumeau méchant que lui. En fait, lui, il est méchant à la surface, mais bon à l'intérieur. Et moi, c'est l'inverse. C'était pas une blague alors. C'était pas une blague. Non, c'est pas une blague, elle travaille ici. Mais vas-y, regarde, parle avec elle comme si de rien n'était. Tu vas voir. Tu vas voir, elle est gentille. Ah non, mais lui, c'est un espèce de jumeau maléfique. Non, lui, c'est Soso. Quoi? Oh là, oh là, princesse. Oui, mais enchantée, vous avez l'air ravie de me voir. Mais bien sûr. Il m'a dit que vous étiez le super employé. Ouais, je suis son meilleur élément. Moi, je suis son frère. Je vends beaucoup de motos. Vous l'avez fait pire. Et d'ailleurs, c'est pour elle ça. Elle a vu. Idriss lui a donné trois bouteilles de rhum. Vendre une putain de moto. Elle a fumé des trucs. Elle a fait fumer. Vous avez dans la merde. Elle a fait une liste. Elle va tout. Comment dire? Vous sentez la vôtre. Camomille. Les autres. Votre moto, j'ai l'impression qu'elle a un souci d'amortisseur, mais je ne comprends pas pourquoi. Non, ça c'est à cause de mon gros cul, à force. Ah, vous savez, bah je voulais pas le dire, que je mais. Les freins. Mais par contre, le vôtre, ça va passer, vous inquiétez. T'as vu la moto? Rien du tout. Bah, je vous en prie, faites votre travail, moto. Alors, Zubé. Merci. Il est mort. Elles sont mignonnes toutes les deux, en tout cas. Elles vont faire un combat dans. Elles s'entendent bien, je te dirais. Qui est bonne et il y en a une, elle est dégueulasse. Elles vont finir meilleures copines. Surtout, vous accroupissez pas, par contre, parce que ça pourrait. Celui-là, il est un peu poussiéreux, vous êtes la princesse. Moi, j'aimerais bien se battre dans la boue. Ce catalogue est parfait pour vous. C'est le moins poussiéreux qu'on ait. Gracias. Tu alors, patronne, tout va bien? Je t'occupe bien des clients, ça fait plaisir. Patronne, je suis votre meilleur élément, patronne. Je vous assure. Ouais, bah ouais, je sais. Hein. C'est pour ça que ça fait tant d'années qu'on travaille ensemble. Hein. Bah c'est tout vu, je suis une accoucha. Une accoucha, c'est va. Oh là. Mais tu sais qu'il y a des meilleures motos, hein. Femme de choix. T'as pas vu les motos européennes et tout? T'as regardé un peu? Accoucha. Elle veut une accoucha, répète. C'est la meilleure qui soit. Vous êtes une femme de goût. Suivez-moi, je vais vous sortir ça. C'est pas la seule chose d'ailleurs a priori. Elles sont trop mignonnes ensemble. Ouais, elles sont trop mignonnes ensemble. Ah, on dirait deux sœurs. Ça j'en doute. De quoi vous parlez? N'insultez pas, toi. Est-ce que vous mangez? Là, je crois qu'on a des goûts communs. Déjà, on a la même moto bientôt. Je vais avoir la même moto que Princess. J'ai l'impression que vous montez le même type de bécane toutes les deux. Il est trop fort, mec. Tes jambes sont la même chose. Celle-ci, c'est la Akuchu Sportive. Non, je préfère pas précisément la même que la vôtre. Vous voulez la même comme moi? Elle veut vraiment tout comme elle. Hein. Bien sûr. Je vais vous la ramener alors. Ça, c'était un mur. Ça, normalement, c'est retenu sur salaire. Hein. Ouais, mais bon, c'est. Elle est un peu bourrée là. C'est pas grave. Ok. En tout cas, j'adore les crocs. Javier, une accoucho pour la princesse, s'il te plaît. Et vite! Il vous amène ça. T'es comme, elle travaille bien? Ouais, elle est extrêmement. Elle fait ça avec beaucoup de zèle. T'as vu? C'est pour ça. RAS. Ah bah enfin, tu me calcules. Pardon. T'es pas très. T'es un peu discret aussi, toi. Et allez, voilà. Allez, c'est bon. Y'a pas de gratter. La princesse. Merci, vous êtes un ange.
Je vous donne les clés. Non, non, d'abord la facture, Refet. Tu joues à quoi? Ah, oui, la facture. Imagine, elle paye pas. Ce serait grossier. Eh oui. Alors, il faut que je vérifie celle-là, celle-ci. Vous faites crédit, n'est-ce pas? Non, non, pas de crédit, hein. Du coup, moi, la couture, je l'avais achetée... T'es une princesse, t'es plein d'oseilles. Oui, enfin, j'ai plein de pesos. La couture, la couture... Ah, sur moi, j'ai pas vraiment de dollars. Ah, mais il fallait convertir avant. Hein. Alors, la couture est à... 200 000 dollars, princesse. C'est marrant, parce que moi, tu m'as dit 40 000. Ah, oui, mais tu m'avais pas dit la couture, non? Si. Si, parce je t'ai dit la couture. Attends, je vais vérifier. Ouais, mais je t'ai dit, moi, je connais pas bien les prix, hein. C'était la bâtie. Voilà, à coup de chou à 40 000, là, c'est donné, limite. Attends, on va faire une ristourne, c'est la princesse quand même, c'est ma femme. Ah, mais elle parlait pas de la couche ou peut-être? Non, 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 mais on va lui faire une ristourne. Ok. On peut la faire à 60 000. Comme ça, on prend pas de bénéf dessus. Ça me paraît. 60 000. Ouais, allez, on fait pas de bénéf. Grosse ristourne, ça. 25 000. Mais 25 000, mais jamais de la vie, on peut pas. C'est impossible, hein, 25 000. T'es patron ou t'es pas patron? Mais je suis patron, mais je les paye les motos. Tu veux qu'on mange de l'eau ce mois-ci? Mais, justement, je fais un geste là, je prends pas de bénéf là. Là, je l'achète 59 000, je te l'avance 60 000. Mais je sais pas là maintenant. En fait, le truc c'est que si jamais c'était bon. Enfin, c'est bon conseil, mais si jamais c'était mes motos, je t'aurais dit oui. Mais là, je peux pas. T'as pas d'argent, mais t'es patron. Oui, je suis patron, mais je fais pas ce que je veux. Eh, c'est la crise. Mais tu m'avances. Ah, tu veux que je te paye la moto? Non, c'est pas ce que j'ai dit. De toute façon, aujourd'hui, j'ai pas dit je viens prendre la moto, j'ai dit je viens regarder tes motos. Si j'étais venu acheter, j'aurais pris ce qu'il fallait. Sinon, c'est pas grave, pour la soirée, on emprunte celle de la Refette. Hein? La Refette. Mais quoi? Non, elle voudra pas, hein. Mais non, mais c'est bon, si on peut se déplacer, j'ai une voiture, t'inquiète pas. J'avais envie de faire de la moto. T'as envie de faire de la moto? Bah, demande à la Refette si elle est d'accord, hein. D'accord, pourquoi? Ah, emprunter ma moto. Tu veux pas un vélo? Je peux vous vendre un vélo, si vous voulez. Non, ça ira, merci. Mais non, mais c'est pour qu'on fasse un... C'est pour qu'on ride, elle et moi. Un road trip. Voilà. Elle emprunte tout à la Refette. Je vais emprunter celui-là, ça me pose pas de problème. Tant que vous le ramenez intact, moi, après, je me fais taper sur les doigts par le patron. Ça va, il sera tolérant. Ouais, en vrai, on peut emprunter celle-là si jamais. Hein. Non, on va prendre celle-là. Mais non, mais celle-là, elle pue sa mère. Je vais pas prendre celle-là. Moi, si je fais un road trip, je vais aller de road trip avec une vraie moto. Je vais voir le catalogue, je vais voir ce qu'on a. Ok. Je vous laisse entre vous, ok? Attends, parce que je les laisse entre eux, mais je vais pas les laisser entre eux. Je vais spionner, moi. Des gruyères, ça passe, hein? Ouais, mais faut se calmer, là. Ah non, ils vont pas se parler. Merde, je croyais qu'ils allaient se parler. Voilà, Refette et la princesse. Moi, je pensais qu'ils allaient se parler, les deux. Pas mal de choses que je connais, etc. Mais concrètement, tu vois, pour m'en sortir dans la vie, des fois, c'est compliqué. Parce que, par exemple, tu vois, tu parlais de pâtes tout à l'heure. Moi, je sais pas me faire à manger. Parce qu'on a toujours fait ça pour moi. Et un jour, attends, j'ai tu sais pas faire à manger. Et en fait, j'ai mis le feu à la cuisine parce que tu sais pas faire à manger. Attends, tu sais pas faire à manger. Enfin bref. Tu sais pas faire à manger. Et après, je peux te parler de littérature. Tu sais pas faire à manger. Tu sais pas cuisiner. Mais c'est pas forcément très utile. Tu sais pas cuisiner. Tu sais pas cuisiner. Je sais couper les mangues et les papayes. Non, mais y a des... J'appelle ton père. Il est parti dormir. Non, c'est pas. Il est parti dormir. Comment ça, on s'est marié, tu sais pas cuisiner? Je suis une princesse. Tu sais faire des nouilles, au moins? Bah non, je te dis, j'ai mis le feu en essayant de faire des Alors là. Enfin, en tout cas, je doute pas qu'elle sache cuisiner, t'as vu la tête? Eh bah, la tête, elle fait des gigatacos de la main. Elle bouffe des chips toute la journée. Je tombe des nues. De la graine. Non, mais du sport, j'en fais. Bah, ça se voit pas trop. Tiens, absolument pas. Non, non, mais tu me lâches pas, s'il te plaît. C'est bon, y'a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème, princesse? Un problème de quoi? Je sais pas. Vous avez peut-être un petit problème, quelque chose à dire? Tu sais pas à manger? Oui, je sais pas à manger. Tu sais faire quoi? Je sais faire absolument tout, tu sais, au barrio, c'est moi qui cuisine. La maman, en quelque sorte. Je sais ça, la maman. Tu vois, ça, c'est une femme incroyable. Oui, je vois ça. On m'avait beaucoup parlé de vous, mais vous n'êtes...
Vous êtes encore bien au-delà de la réforme. Ah, vous m'avez, on va, vous avez parlé de moi. Ah bon, on ne vous a pas dit quoi hein. Toujours en bien, excellente employée, mm-hmm. femme très agréable, extrêmement féminine, très courtoise. C'est vrai. C'est faire à manger. C'est faire à manger, c'est vrai. C'est et vrai. Encore plus avec vous, princesse. Hein. Vraiment. Bah, je me rends compte, j'apprécie. Parce que vous savez, je suis très, 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 très sur le respect, mais des fois j'insulte Dimir. Vous voyez? Hein non, non. J'insulte des grosses mères. Non, non. Des mères. Mais vous êtes la princesse, ça. Ça va vous faire. Non, mais allez-y, ça va vous faire du bien. C'est la princesse, mais c'est avant tout ma femme. En fait, je me fais une réflexion. Je suis à la fois princesse avec Ayo Pellico et surtout femme de Céline Braves. Oui. L'autre jour, j'ai dit ça à quelqu'un et c'est. Oh, elle l'a dit comme si c'était un titre. C'est littéralement liquéfié devant moi. du coup, quelque part, ça fait aussi de toi, Céline, un des hommes les plus puissants. Ouais, le prince de Cayo Perico. C'est. La géopolitique, tu vois c'est géopolitique. La géopolitique. C'est de la géopolitique. La géopolitique pure et dure. que de la géopolitique. Non, pas que. Comment ça, l'amour, que le mariage, parle un peu du mariage. Je suis c'était un peu pudique sur mes sentiments. Ouais, ouais. La fête, le cortège, les cadeaux, mariage. Bah, disons qu'on fait un effort en public de pas trop se toucher. Ou se... Voilà, on est pudique. Parce qu'on voudrait pas incommoder les gens, mais c'est vrai. Exactement. Que, en off, voilà, on va pas se cacher. Ah, en off, ça y va. répète ce que tu m'as dit la dernière fois à l'entrée de l'aéroport. Ah, mais... non, je vais pas le faire. Si, si, vas-y, dis-lui. Qu'on fait vraiment du sale. Non, c'est du sale. Ils salissent la maison ensemble. Les draps, trois fois par nuit. Hein. Ils salissent les draps. Heureusement que j'ai des serviettes. Et ouais. Princesse, ça est cochonne. Bon, peut-être le moment de se laisser là. Ouais, de partir. C'est nous d'ailleurs qui allons partir. Oh putain. Oui. Ouais, très sympa. Genre maintenant. Allez. Yes. Moment de guerre pire. Allez. Oh. C'est rien, on te vire de ta propre. Non, on me vire pas. Ah, c'est moi qui te le dis. Allez, viens, on y va. On va où? Allez, boost. Allez. J'en sais rien. Voilà. On va dormir? On dort au palais cette nuit? On dort au palais? Ou à l'hôtel de luxe? On dort. Non, mais parce que moi, putain, en fait, ça m'arrange pas parce que j'avais dit à Idriss que j'allais dormir avec lui pour. Parce qu'il voulait jouer aux jeux vidéo. Tu veux dormir avec nous, Idriss? Tu veux dormir avec nous, Idriss? Ouais. Bah attends, mais je peux dormir avec vous? Avec vous? Bah tu dors à côté. Bah ça m'intéresse pas, moi je vais dormir avec la Réfette ce soir. Et au pire, non, clairement pas. Au pire, la Réfette elle vient dormir avec nous aussi. Non. Vas-y. Non, mais il y aura pas assez de place dans le lit par contre. Vas-y, venez, on dort à 4 dans le lit. On est pas passé loin. Oh là! Ah voilà. Vas-y, venez, on s'en fout, on fait un plan 4. C'est rien, c'est bon. Allez, on arrête. Parce que quoi? On arrête. Toi qui va bouffer ma fille. Wow. Ça y est. Wow. $50 sur la tête. Avec mes salutations les plus distinguées. Elle a dit que rouge. Elle a 4 grammes. Elle a 4 grammes dans le sang. Elle a 4 grammes dans le sang. Wesh, princesse, t'as pris un perfect. Ça va, princesse? Ça va? Ça va? Je pensais que tu savais top, moi. C'est le moment où il faut sortir une arme, normalement, après. Ça va, princesse? Mais non, elles ont fait un tête-tête dans les règles. Ça va? Tu vas bien? J'ai ma tête, elle a tapé contre le bouton et toi, t'as rien fait pour me protéger! Mais c'est normal, c'était un tête-tête dans les règles, c'est comme ça, Hélès. La princesse, tu t'es fait baiser. Poste, grosse vache! Je vais m'étouffer. J'essaie de mettre le pain directement. Ça va? Mais ça va ou pas? Garage. Pardon. T'as rien fait. C'était trop magnifique. Lève ta tête, tu vas faire tomber ta couronne, la princesse. J'arrive pas à respirer, Idriss. C'est terrible. Elle s'est fait niquer, wesh. Oh putain, bienvenue à LS, princesse. T'as dominé genre à 90. Comment? À 90. T'as dit quoi, princesse? Ta femme? Incroyable. Mais c'est pas mon ex, mais putain, mais j'ai les larmes. Je vais pas dire que c'est ton ex. Mais non, c'est pas mon ex, tu mais sais quoi, tu sais quoi. J'ai les larmes aux yeux, princesse. Oui, bah de rire. Je pleure tellement je suis triste. Non, c'est pas. Je suis carrément ému. Moi, je suis carrément humiliée. Mais non, c'est pas de l'humiliation, t'as perdu un tête-tête dans les règles. C'est pas dans les règles, putain, t'imagines si on était sur un ring de boxe. La répète, elle est trop humble. Moi, je suis poids, mais elle, c'est de poids super lourd.
Comment? Tu veux que je lutte? Mais non, mais c'est oui, mais patate de forain. Mais voilà, c'est pour ça, c'est pas une émulation, c'est juste voilà, c'est une différence de catégorie. Comme au judo, David. C'est pour ça que je veux une femme bien en chair, t'as vu? Au moins elles savent se battre. Ah bah, je vais bouffer des chips toute la journée. Et il faut que tu fasses du judo, comme ça tu te sers de la force de ton adversaire contre lui. Et ça, c'est incroyable. Oh là là, regardez, il y a la jument qui revient. Patronne, je vous laisse gérer votre boudage diplomatique, j'ai mes armes. Comment ça, c'est un boudin? T'as dit c'est un boudin? Non, princesse. Non, boudage. Ah, boudage. Ok, d'accord, ok, pardon. Boudage diplomatique. Pardon. Il y a mes hermanos ont besoin de moi. Il y a quoi, il y a un problème? Je peux prendre la fin de la soirée. Oui, il y a les poyos au barrio. Ok, ben vas-y, prends-toi, si jamais il y a besoin, tu me dis. Merci beaucoup. D'accord, merci. Vas-y. Vas-y, bichou. La nouvelle princesse, c'est toi la nouvelle princesse. En train de pleurer là. Putain, mes frères, t'as fait le mauvais choix, regarde. Attends, elle est où? Ah ouais, une boudeuse. Elle est là-bas. Elle a dit, je vais me recoiffer, elle a dit. Oh la réfète, elle lui a niqué sa mère. Elle lui a fait manger le sol. Et c'est ça, ouais, je suis une vieille princesse, elle sait même pas faire à manger. Tu voulais qu'elle fasse quoi avec ses mains? Elle se battait comme le YouTuber là, Bichou. Ouais, elle se battait comme Bichou. The B. Oh putain. Ça va être ça toute ta vie. Non, ça, j'arrivais pas à intervenir. Je regardais, j'étais tétanisé. J'arrivais pas à parler ou à dire quelque chose. J'arrivais pas, Idriss. J'aurais aimé défendre quelqu'un, je pouvais pas. Moi, j'attendais que ça. Je voyais, il y avait une tension depuis tout à l'heure. J'attendais oh, que putain. Ça. Et c'est arrivé, heureusement. Ouais, c'est ça. T'as vu la vie? Les femmes. Même moi, elles se battent tout le temps pour moi. Vas-y, gère la meuf là. Ils recherchent la princesse, eux. Pourquoi vous êtes qui? Bonsoir. On a un ami à elle et c'est pour ça qu'on voulait savoir où elle était. T'es trop belle. Merci. C'est où elle est? T'es qui toi? Moi, Rosa, mais du coup, est-ce que vous avez des nouvelles de la princesse? Mais t'es qui toi? Pourquoi? Rosa. Et Rosa, c'est quoi? Ça me dit pas ce que qui, ce côté, toi, tu feras dans la vie. Tu veux quoi? Mais moi, je suis personne, non, c'est lui. C'est pour moi surtout. C'est pourquoi? Tu lui veux quoi la princesse? Parce que c'est moi qui l'ai amené et je dois repartir avec après, mais j'ai pas pris son numéro comme un idiot. Ouais, eh ben, arrache ta mère, elle est pas là, la princesse. Ouais, exactement. Voilà. Elle est pas venue acheter une moto? Non, elle est pas venue acheter une moto, casse-toi. Cassez-vous. Derrière, du coup, c'est pas du tout elle, c'est une autre. Non, c'est pas elle. Hop. Calmez-vous, les gars, calmez-vous, les bikers, calmez-vous. T'as dit quoi? Y'a pas d'embrouille. C'est bon, range ton téléphone, y'a rien. Mais c'est pas elle? C'est pas elle, enfin, dégage. C'est la meilleure meuf à draguer tout ça. Hein. Ouais. Oh, elle était bonne, elle, la meuf en jaune. Ouais. Excusez-moi, monsieur les agents. Oui. Là, oui. C'est personne en face, là. Ça fait une demi-heure, ils sont devant mon conseil, ils veulent pas partir. Vous pouvez leur dire un truc, s'il vous plaît? Si, on s'en occupe. Merci, c'est gentil. Monsieur les agents. Parce qu'après, les bikers, ils vont s'énerver, ça va partir en couille pour rien. Essaye juste de trouver les numéros de. Ouais, trouve ailleurs. Il m'a menacé, ouais, monsieur l'agent, s'il vous plaît. Parce que là, c'est... si t'avais plusieurs fois qu'il vous l'a dit, c'est quand même propriété. C'est privée, pas, c'est pas un endroit approprié pour s'arrêter. Si vous avez besoin de discuter, vous c'est allez pas un parking. Un parking ou un café, monsieur. Vous auriez dû nous envoyer un message, monsieur. Ah, mais c'est bon, voilà. Attends, ouais, mais. N'hésitez pas si vous avez besoin. Eh non, mais regardez, elle se gare là, devant mon conseil, c'est encore. À partir de là, c'est légal, regardez les lignes au sol, en fait. Ce n'est pas un parking, madame. Donc, circulez avant. Mais c'est pas un parking, s'il vous plaît. Il y a un parking plus loin. Attends, parce que je vais crever tes pneus, là, en fait. Non, c'est soit vous venez au conseil pour acheter une moto, soit vous allez circuler ailleurs, madame. T'as vu? Vous avez vu? Il la harcèle, c'est des harceleurs. Ouais, si elle veut pas, elle veut pas. C'est du harcèlement, c'est puni par la loi. En fait, c'est qu'on n'a pas le droit de lui parler parce qu'il nous laisse pas passer. Elle veut pas, sinon elle serait venue de son plein gré. Elle veut pas leur parler. Bon, attendez. Sort d'où, lui? Venez, monsieur l'agent, si vous voulez, on va voir si jamais elle est en sécurité. Venez. C'est quoi le problème? Madame, ça va? Il t'importune. Je vais très bien, monsieur, depuis tout à l'heure, je fais des tours en moto. Donc vous voulez pas leur donner votre numéro, c'est bon? C'est juste mon numéro qu'il veut? Ouais. Et vite quand même. Tu les connais pas. Eh, princesse, t'es la princesse, t'es pas vrai caillou. Que madame, c'est mauvais de donner son numéro à. Madame la princesse, est-ce que vous considérez cela comme du harcèlement, oui ou non? Dis oui, sinon ils vont jamais les dégager. Qu'ils partent. Voilà, mais tu veux qu'ils partent? D'accord. Vous avez entendu, monsieur, c'est un ordre de la princesse. Voilà. Merci, monsieur les agents, vous êtes des bons. De rien. Avec plaisir. Bon, allez, prenez soin de vous et faites attention. Merci, au revoir. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée, messieurs, dames. Au revoir. Vive la police. C'était moi une. Oh, Idriss, tu fais quoi après? Bah là, je comptais aller me barrer là. Te barrer où? Bah, me poser et tout dans le salon. Nique ta race. Frérot, qu'on aille boire un verre. Après-demain. T'es en train de me proposer d'aller boire un verre? Moi, je vous aime bien, Mouloud, hein, mais va pas falloir arrêter de jouer avec moi, hein. Voilà. T'as vu Mouloud comme il est bizarre, je t'ai dit, faut pas trop lui parler lui.
Je vous souhaite une très mauvaise soirée. En fait, Mouloud, lui, il te ramène du point A au point B. Basta. Quoi? Mais... En plus, je l'imagine vraiment comme ça, se dire Rock IRL. Non, non, calme-toi, Mouloud, calme-toi. Calme-toi, reste tranquille. Vas-y, bonne nuit, Mouloud, t'es un bon. Merci. Ouais, pourquoi je traite les gens de fils de pute? C'est toi qui m'as appris, tu m'as dit que j'étais toujours trop poli et tout. Oui, mais faut... pas Mouloud, on va revenir demain, il va nous écraser l'avion. Non, je conduis. Oui, c'est pas la mienne, hein, mais... Tiens, je t'ouvre la porte, attends, je t'ouvre la porte. Allez, monte. C'est quoi comme voiture, ça? C'est une coccinelle? Ben, on a que des voitures comme ça ici à Caillou. Nous, au State, on a un film qui parle de cette voiture. C'est vrai? Ouais, mais je sais plus c'est quoi l'histoire. C'est l'histoire d'une voiture. Je suis trop jeune pour pas connaître, mais je suis trop... Non, je suis trop vieux. Je suis trop vieux pour pas connaître, mais je suis trop jeune pour m'en rappeler exactement de ce que c'est. T'as quel âge, toi, princesse? Je crois que je suis un peu plus âgée que toi. J'ai 23 ans. Ouais, ça va, j'ai 22. Non, ça passe encore. Viens. Ah. Viens, Toto. C'est un vrai clébard. Tu viens, mon bonhomme. Oui, viens voir. C'est Michou. Et Michou, frère, il a 34 ans, il a cut son life pour faire un chien. Il vient, mon grand. Allez. Allez, mon bonhomme. Allez, suis. Allez, suis, Clébar, au lieu de me renifler les couilles. Allez. Laisse-moi voir, s'il te plaît. Tu veux voir quoi? Je parle tout doucement, frère, laisse-moi monter dans... Ouf, vas-y, c'est bon. Viens, il veut venir dormir avec nous, je crois. Ah, mais il est sale, non? Il est sale ou il est propre? Le chien? Ouais. Aboie si t'es propre. Ouf, ouf. Bon, bah, il est propre. Il aboie super bien. Ouais, je... C'est un peu voyeuriste, le chien, non? Grogne si tu veux dormir avec nous. Grogne si tu veux dormir avec nous. Non, c'est pas possible. Ok, vas-y. Vas-y, c'est bon. Moi, je vais dire les choses, Céline. Quoi? Je voulais juste profiter du fait que Bader il soit pas là. Tu vas où là, comme ça là? Tu... Ah, je... Mais je suis partout. Hein. Wesh! Ah, wesh! Mais défends, fils de pute, défends la princesse, le chien! Mais. Aïe, mais pas moi! Aïe! Attends, mais c'est un vrai chien! Ah! Non, mais lui c'est le bon! Arrête! Je l'ai tué, le mauvais! Pardon, bonhomme. Ah! Ami, te lèche. Il me lèche. Il t'a pas fait mal, ça va? Non, c'est moi qui suis désolée de t'avoir. Pardon de t'avoir tapé, bonhomme. Tu t'appelles pauvre petit Clébar alors qu'il voulait te défendre. T'es un bon chien! Oh, oui, t'es un bon chien! Bref, t'allais me dire quoi? J'allais te dire que je. Je voulais profiter que Bader soit pas là pour avoir un peu d'intimité. Ouais. Pourquoi t'as un truc spécial à me dire? Non, bah c'est... Non, juste à partir d'ici, ce sont mes quartiers privés. Bichou, il me sauve là. À partir du moment où tu vas franchir... Je suis trop bien parce que du coup, je suis pas en tête-tête avec une meuf là. Je suis trop content, merci Bichou. À faire ça ici. À rentrer dans tes quartiers privés? Même mon père, il a pas le droit. Même ton père, il est jamais rentré dans tes quartiers privés? Il me met trop bien, merci Bichou. Et le chien, il peut rentrer dans le quartier privé? Bah si c'est un mâle, non. Ouf, ouf, ouf. Non, c'est une chienne. T'es une chienne? Ah, bois, c'est une chienne. Ouf, 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 ouf. Ouais, c'est bon, allez, viens. T'as une piscine privée et tout? Ouais, c'est là, à moi, toute seule. Mais il te faudrait un rideau, là, pour... Oui, mais t'inquiète pas, tout le monde sait que qu'il faut pas rentrer. Ouais, mais quelqu'un peut te voir de là, là. Ils ont l'angle, hein. Non, mais là, j'ai renvoyé les gardes. Ok. Sinon, si quelqu'un glisse un œil, il se fait fusiller. Putain, ça vit, hein. Oh là 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 là, ça vit, hein. La belle vie. Incroyable. T'as vu le clébard? Ouf. En tant que mari, quoi? Ça veut dire c'est à moi aussi, là? J'irai pas jusqu'à dire c'est à toi, mais c'est à nous, quoi. C'est à nous. Plus à moi qu'à toi, mais... C'est à nous, à 60% à toi. Ta concession moto, c'est pas la mienne. Bah là, c'est un peu pareil, c'est... Ouais, je vois. Tout à fait à toi. Ouais, je vois. Ok, j'ai carrément capté. C'est ton ordi? Oui, c'est quand je travaille. Y'a des dossiers compromettants là-dedans? Non, pas du tout. Ok. Des trucs classés secret défense, tout ça, oui, mais... Non, le chien, après, tu vas te virer, après. Mais non, le chien. En plus, t'as dit que c'était une femelle, mais il est quand même malin. Mais
Pas faire pas pipi ici, pas pipi. Et ouais. Non mais regarde sa petite tête. Viens, on lui donne un nom. C'est un mâle ou une femelle? C'est une femelle, c'est une femelle. Je crois qu'il me renifle les fesses. Merci Michou, merci mon frère. c'est bon, calme-toi, le clébard. Calme-toi, ça va t'abattre. Ouais, ouais. Mais quoi, toi, tu gères un peu les affaires de Caillot, toi? Genre, tu fais quoi? Là, par exemple, je suis en train de faire une sorte d'opération séduction pour qu'il y ait des habitants un peu, comment dire, qui amèneraient une plus-value à l'île. Je vais te prendre des genre infos. Genre des docteurs, des mécaniciens ou des choses comme ça. Je propose aux entreprises de Los Santos aussi de venir, d'inscrire en tout cas leur siège social à Cayo Perico. Physiquement, leurs entreprises, elles restent à Los Santos, mais juste le siège social ici. C'est quoi, c'est de l'évasion fiscale? Exactement. Oh, mais attends, mais moi, pourquoi tu me proposes pas? Parce que t'es mon mari, je te l'aurais proposé de toute façon. En tout cas, c'est ce que je faisais avant, tu vois, la guerre et tout ça. Mais attends, mais c'est un truc et là, de vous fou. Êtes tous, vous êtes tous à genoux, je en peux fait. Blanchir à 0%, ça fait. J'ai pas grand-chose à faire, parce que... Je peux blanchir à 0%. On reçoit peu de touristes, et vous avez plus vraiment de gouvernement. Et au niveau des entreprises, vous êtes un petit peu à plat. Et du coup, on doit attendre un petit peu. Baisse ta mère, Iliane, baisse ta mère. Attaquer sournoisement Los Santos. Tu sais très bien que je parle de Watt. Va te faire enculer. Réchille, toi-même, tu sais. Je parle trop. Non, je t'écoute. Je suis en train de réfléchir là à tout ce que ça offre. Si. Incroyable. Parce que moi, ouais, je blanchis de la thune. Mais du coup, je me fais taxer à LS. Mais si j'ai mon siège social ici, on est riche. Mais oui, exactement. Nous, bien sûr, on prélève un tout petit peu. Combien? Mais vous paierez moins d'impôts que combien vous payez à LS. Vous êtes à combien? 25% LS? On est à... Moi, je suis à 15%, moi. Bah voilà, on passe à 10, déjà. À 5, parce que je suis ton mari. Peut-être. Voilà, tu me régales. Je vais t'offrir quelques avantages. Tu vois? Ça me fait plaisir. Mais ça, il faut que tu me dises... Il faut que tu vois, maintenant qu'on est mariés, tu vois qu'on a une relation... Forte, il faut que tu me dises tout maintenant. Non. Pourquoi non? Parce que j'ai pas non plus envie que tu me dises tout. Parce que je veux pas qu'à un moment tu penses que c'était malgré tout intéressé. Ou que je te manque plus là. Non. Je t'ai jamais non. rien demandé, Céliane. Je veux pas avoir l'impression que tu m'utilises. Mais non, mais c'est pas ça. Mais moi, c'est pas une question d'utilité malsaine. En fait, ça peut être une utilité saine. En mode, nos statuts à nous offrent des privilèges. Toi, tu peux bénéficier de mes privilèges à moi, et moi, je peux bénéficier des tiens. Je suis d'accord. C'est pas... ça, c'est logique, ça va ensemble. C'est pas forcément intéressé. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouf, ouf. Calme-toi, le clébard, calme-toi. Bon, bah, j'aurais... Et est-ce que... Non, ça, non. On verra plus tard. C'est pas ton dos, ça, de toute façon. Toi, tu t'occupes pas de la cocaïne et tout? Non, ça, je... Je laisse gérer entre eux, j'ai pas besoin de... De toute façon, j'ai bien vu la dernière fois que t'avais des problèmes avec Rafa. Hein. C'est tendu entre eux. Parce qu'il me reproche d'avoir épousé un Brabus. Rafa, il a le seum? Bien sûr qu'il a le seum. Lui, c'est un traditionnaliste de fou, non? Ouais, je vois le c'est délire. C'est un peu Cayo Perico à Cayo Perico. Ok. Eh ben, qui baisse sa mère, de toute façon, qui baisse sa mère. Non? Allez, dis-le. C'est pas grave. Dis-le. Non, j'ai du respect pour Rafa, j'en ai pas toujours. Non, entre nous, mais... c'est non, c'est dans il dos. Baisera pas sa mère. Regarde, en gros, je t'explique comment nous ça marche à LS. Parce que tu vois, il faut qu'on échange un peu toi et moi. D'accord. Nous, à LS, on est des hypocrites. Ça veut dire, on va se dire, ouais, lui qui baisse sa mère, et en face, on va se dire, mais t'es mon frérot, Rafa. Ouais, alors moi, tu vois, c'est l'inverse. C'est que des fois, je suis pas assez hypocrite, et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Eh ouais, c'est pour ça, mais il faut... Moi, je vais apprendre de toi, et toi, il faut que t'apprennes de moi. D'accord. Donc, vas-y, dis qu'il baisse sa mère, Rafa. Non, je te dirai pas, parce que je le pense pas. Ta retraite, okay. Elle peut baiser sa mère, je sais pas quoi, elle veut. Ouais, mais je pense. Elle a baisé la tienne. La mienne, elle est morte, alors récolte pas. Arrête. C'est ton daron, il a tué. Arrête. T'as pas vu la table basse? Non, il m'a dit que c'était ton ex à toi. Ah oui, non, mais ça, c'est parce qu'il assume pas que maman l'a trompé avec jardinier. Un jardinier? Si, c'est ma mère. Ouais, mais tu sais que je pense que l'infidélité, c'est dans le sang. Ben, attends, non. Moi, j'ai une théorie. Qui me pousse, qui me force à penser que l'infidélité c'est dans le sang. T'inquiète pas, c'est le chien. Dans le sang donc. Et pourquoi il y a 1000 chiens là? qu'est-ce que je fous là? Pardon, désolé, je sais pas qu'est-ce que je fous là, je voulais pas vous interrompre. Bonne soirée, monsieur Dame. Les chiens, attaquez. Mais pourquoi il y a 1000 chiens? Je vais péter un câble. Désolé, bonne soirée, monsieur Dame. Au revoir. Ils sont pas obéissants, c'est tout. Il va mourir de requins là, non? Faut aller à droite, hein. À droite. À gauche,
moi chez les requins. Pourquoi il y a des clébards? Ah, je sais pas, comme je te dis, je voulais un peu d'intimité ce soir, je me suis dit c'est chouette, pas d'air et pas d'as. Je voulais... Il fait bon, je voulais qu'on aille dans la piscine, enfin... Ouais, ouais, j'aurais bien aimé aller dans la piscine, mais... Non, je suis fatigué, hein. Ah oui, je t'ennuie, mais je vois. Non, non, pas du tout, pas du tout, c'est juste que moi, je suis un papy, hein. Non, 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 moi, c'est juste que je suis un papy, et que j'ai promis à Idriss que j'allais me connecter sur mon téléphone, là, pour jouer avec lui, c'est pour ça. Non, mais arrêtez, parce que là, mon père, il se couche tôt pour aller jouer sur son PC, enfin, jouer, j'espère, parce que je veux pas savoir s'il peut... Mais moi, ça va, je me couche pas tôt, c'est 2 heures. Non, oui, ça va, ça va. Ah oui, quand même. Écoute, moi j'aime bien prendre mon temps. Tu vois, je prends mon temps, piscine et tout. Tranquille, tranquille. Tu vois, t'inquiète, demain après, on ira à la piscine avec Derba et tout. On va se régaler, on va s'éclabousser et tout. Ça va être bien. Ok? Non, mais d'accord. Bon, bah, si tu es. En fait, tu conçois pas notre vie privée sans tes deux frangins. Si, si, là, on est. Non, dans... j'ai pas l'impression. Mais non, mais là, on est dans notre vie privée. Tu sais qu'on va jamais y arriver. Non mais dis-moi, vas-y, et allez. Et quoi, qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux chiens dans la chambre? Comment ça se passe? Non, c'est bon, on y va que toi et moi dans la chambre. Quoi, y a... C'est le chien qui a fait ça? J'espère, je sais. Non, on y va que toi et moi dans la chambre, c'est bon, on y va que toi et moi. Vous regardez pas la fenêtre. C'est où ta chambre? C'est bah, je sais pas, en fait j'en ai plein. Ah, c'est laquelle t'as préférée? Celle-là. Ah non, celle-là parce qu'elle est face à la fontaine. Tu me laisses me préparer dans la salle de bain, tu prends toi. Ouga ouga. Ah non, moi ça va pas être possible. Non, tu forces. Allez, dégage. Franchement, j'étais prête, Céline. Vraiment, ce soir, je... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, mais c'est juste, on a... Non, mais ça m'a passé l'envie. Mais non, mais c'est juste, on a un caillou, il y a des singes, c'est pas de ma faute, moi. Toi, tu m'as dit, on va au palais, pourquoi il n'y a pas des gars qui tuent les singes? En fait, c'était parce que je me sentais un peu dans ma zone de confort, tu comprends, l'hôtel, je connais pas, c'est Los Santos, j'aime pas, le bungalow, il y a tout le monde autour, et là, je me disais, ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Céline, je me disais, ça y est, ce soir, je me sens prête. Bah non, je me suis pas prête. Tu sais quoi, tu vas prendre la chambre d'à côté et puis moi je vais dormir dans celle-là. Comme tu veux, moi je vais te forcer à rien. Tu veux que je tue les chiens? Tu crois qu'ils peuvent ouvrir les portes? Les chiens? Attends, on va jeter un os. On va jeter. Non, je suis là. Non, mais allez. On va jeter un. Mais t'as une. Mais c'est quoi, mais. Je te jure, je sais pas, je contrôle rien. Ah non, c'est bon, c'est du vrai RP. Avec toute la bonne volonté du monde. Mais pourquoi il y a un mec qui se pose en hélicoptère là? Tu connais? Mais je sais pas. Oh non. Quoi? Ah bah non, mais c'est Alexei. Ah. Il se pose là. Bon. Mais pourquoi les chiens nous suivent? Je sais pas ce qui se passe, hein. Non, mais les tue pas, mais il faut les amener ailleurs. Et puis... Non, mais en fait, je vais pas y arriver. Je suis désolée, je vais pas y arriver. T'es sûr? Je te promets, je voulais que tu viennes au palais parce que je me disais, ici je me sentirais bien. C'est bon, tranquille, regarde là. Bien caché, tu vois. Regarde ce qu'on fait. Personne ne regardera. Écoute-moi. Moi, je vais dans une chambre, tu vas dans une chambre. Et si jamais tu veux me rejoindre cette nuit, tu me rejoins. Si tu veux pas me rejoindre, tu me rejoins pas. C'est bien, non? T'en penses quoi? D'accord, on fait comme ça. C'est bon? Par contre, Céline, je suis plus si tu te lèves après ou avant moi, etc. T'essaies de vite sortir du palais, d'accord? En scred? Ouais, mais non, on est mariés, je te jure que je vais sortir. Oui, mais non, mais mon père il va péter un câble. Non, je vais sortir. Je vais sortir en peignoir et je vais dire bonjour, beau papa. Non, s'il te plaît. Si t'as vraiment un peu de sentiment pour moi. Mais on est mariés, y'a rien. Il a pas envie de te voir ici au palais. Ok, bah, je vais voir, je vais faire ce que je peux, d'accord? Je vais un peu discret, d'accord? C'est bon. Ça marche. Bon. C'est laquelle ma chambre du coup? Regarde, on fait une chambre à côté. Toi, tu prends celle-là et moi, je prends elle. Comme ça, au moins. Si jamais tu veux venir, eh ben on n'est pas trop loin. D'accord, on fait comme ça. C'est bon? Allez, bonne nuit. Peut-être à plus tard si les chiens dégagent. Peut-être à plus tard si les chiens dégagent. Au revoir, princesse, bonne nuit. Attendez, je vais setup ma tenue peignoir. Tu te rends compte, mec? Quoi? À deux doigts d'y être, mec. Hey, j'ai même préparé le singe, je suis encore au gars du RP sexe, ouais. Pourquoi tu vas pas, champion? Je vais me mettre en peignoir. Pour demain. Hein? Pour demain, comme ça demain je me réveille en peignoir. Ah, Zara, demain tu te réveilles? Ouais. La vida de Boca. Mais non, mais moi j'ai pas envie de faire du RP sexe, mon frère. Au pire, tu veux pas, tu prends mon skin et tu fais du RP sexe toi?
La tête de ma mère envoie ton script tout de suite, j'y vais maintenant, y'a pas matin, midi, 13h, je suis pas en live, j'y vais banal. Parce que elle, ça se voit, elle a l'habitude de faire du RP couple, mais moi, toi, tu sais, je suis un mange-merde. Moi, je suis trop un bandeur du RP couple. Ouais, mais toi tu l'aurais fait normal, ça? Normal, t'aurais dormi avec elle? Je serais allé en maillot de bain, piscine, jacuzzi, spa, main sur le cou, bah, viens là que je te serre les bras. Viens là, on va dans la chambre d'hôtel, petit slash me, fin du stream, end. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.